Ça m'aurait étonné. On vous donne rendez-vous dans votre ville pour les nœuds au mouchoir. Avec mon, enfin, avec moi, c'est et avec mon frère aussi. On peut dire ça comme ça. Ouais, ouais. Et puis bien sûr, aussi, maman. Ah, maman. Prout. Voilà. Tout est dit. C'est vrai que tout ce qu'on vit au quotidien en tant que citoyen n'est pas forcément drôle, non. Mais nous, pour la pièce... Bah, on s'éclate, et les gens s'éclatent, ceux qui viennent nous voir s'éclatent, c'est ça qui est bon. Ça, c'est super. C'est formidable, il était passée par la fenêtre de la cuisine, là, juste en face. Oui, c'est elle. Oh, Rosetta, viens voir maman. Viens, regarde. Je t'ai apporté tes graines, chérie. Hein? J'étais sur le point de faire une bêtise, une grosse bêtise. Oh, les quatre mousquetaires. Non, trois. Ceux du concours de la radio. Nous aussi, on fait, vous savez. À vrai dire, ceux-ci ne sont que trois. Ah bon? Oui. Celui-là, disons que c'est l'original. Ah. Vous le voulez? Oh non, merci. Et puis, qui sait le temps que j'y mettrai? Et puis une femme est arrivée, tu sais la femme qui habite juste de l'autre côté de la cour en face. Et elle m'a sauvée. Mataré.
Bleu Mistral, jaune Sirocco, rouge Blizzard. Se réveiller, il prend sa douche. Je vais pas aller trouver, lui dire que son ex-belle-mère souhaite lui parler. Tiens, j'ai cru voir la vieille, moi. Moi, j'ai été très sympa avec Zoé. Je lui laisse de l'argent tous les mois, alors que rien ne m'y oblige. Je vais faire encore un geste. Je lui laisse sa mère. C'est génial, c'est d'actualité, c'est extrêmement drôle et on passe vraiment un bon moment. Oh. Wow. Mais c'est le parfum de Solange? Non, tu déconnes. T'es couché avec ta belle-mère!